Technosoleil. Je connaissais Technotronic. Technologique, à la limite, mais Technosoleil. Ah si, je sais ce que c'est. Ce sont les rave parties, mais diurnes. Brasil. La 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 la. Ah oui, on est sous l'eau. Palin, palin, palin. Salut la douille. C'est Yannou, les bienvenus dans la saga jeu vidéo ludique polygonale sur notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé PlayStation. Et aujourd'hui, avec les tropiques sous l'océan, on s'attaque au triple T Tall Twins Tower. Et ça fait plaisir puisque c'est un jeu japonais. Ouais, on le voit bien, hein. Là, on le voit bien, exclusif au Japon. Il aurait pu sortir aux États-Unis, mais non. Alors que, alors là, vous allez me dire un petit peu, mais pourquoi que les États-Unis? Parce que ce jeu-là, c'est la suite de Tall Infinite ou Infinity. Et ce jeu, il était sorti en 99 au Japon et il était sorti en 2003 aux États-Unis. Donc, on fêtera le 1 après le 2. Allez hop, comme ça c'est fait. Ça arrive pas souvent, les petites pattes, mais on fête les 20 ans de Tall Twins Tower, qui veut dire à peu près les grandes tours jumelles, finalement. Et ce qui est bizarre, puisqu'il n'y a que dans le mode versus qu'il y a deux tours, ou dans le Seigneur des Anneaux. Alors là, on a le game normal, normal mode, ouais, c'est ça, le game normal, versus mode. Ensuite, là, on a le puzzle qui va être intéressant, les options et carte mémoire. Ok, eh bien, on va attaquer les petites pattes en appuyant sur cercle, puisque c'est un jeu japonais. Est-ce qu'il y a un mode facile? Oui, easy. Oh, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Il y a quoi d'autre? Return et game start. Et vous allez voir, les petites pattes, que c'est un jeu tout mignon, avec des couleurs, de la réflexion, et on va un petit peu se creuser la tête. Alors, on appuie sur croix pour déplacer les blocs de cette manière, d'accord. Et avec L1 et R1... on les glisse. Pour l'instant, ça vaut pas grand-chose, mais c'est important puisque ce sont les contrôles de base du jeu, et le but, ça va être de gravir les étages de plus en plus de cette tour. Voilà, alors, stage 1, il faudrait une minute pour le faire. Là, on va y aller tranquille, hein. Donc, on est dans un milieu sous-marin, avec ces petites tours tout mignon. Et en fait, le but, ça va être, vous avez compris, je pense, hein, mes petites pattes, c'est qu'il y a quatre couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, hein, ils auraient pu faire ça comme les couleurs de la Play, mais bon, hein, le rose et le gris ont été un petit peu substitués, comme le ciment finalement. Et si on appuie donc sur croix, on a vu qu'on pouvait déplacer le bloc le plus haut en hauteur, et voilà, le déplacer, et non pas le débloquer, d'une seule case, comme ceci. Bon, là, ça fait pas grand chose, on est d'accord. Le but du jeu, ça va être de rouler les blocs pour que la couleur soit superposé avec une autre. Donc c'est-à-dire que là, nous avons sur la couleur du bloc du haut un rouge, là où le personnage est dessus. Et là, vous voyez que à droite du personnage, et donc sur le côté gauche de ce cube, le rouge. Donc si on fait glisser et donc pivoter le bloc sur la gauche, avec la touche cercle enfoncé et en appuyant sur flèche gauche, on voit que les deux couleurs rouges s'associent et ça fait grimper. Et le but, ça va être de grimper d'étage en étage et de se dépêcher un petit peu parce que les tours, vous voyez, hein, la tour en bas là, les blocs sont gris avec une croix normalement un petit peu plus foncée, et les blocs sont beaucoup plus foncés en bas avec une croix enflammée. Donc c'est-à-dire que les étages vont s'enflammer sur les tours, et ça, c'est pas jojo. Donc il faut essayer de d'imbriquer tout ça. Alors, mes petites pattes, ce que je vous conseille, voilà, on a vu le feu en bas, hein, ça a gagné encore un étage, donc il va falloir se dépêcher. Donc le but, c'est d'atteindre le point le plus haut, hein, comme dirait Nuit de soirée, il me semble, hein. Nuit de folie, début de soirée, bref, vous avez compris la référence, mes petites pattes. Et là, je suis un petit peu dans la panade. Donc il va falloir mettre ce bloc avec le rouge en haut. Et là, si on fait tourner ce bloc-ci, ça devrait aller. Voilà. Donc ça, ce sont les références de couleurs sur le haut des cubes. Mais on peut aussi les faire avec les autres faces. Donc là, je vais essayer de montrer... comment je peux montrer ça? Peut-être avec celui-là, mes petites pattes. Là, vous voyez qu'il y a un côté gris, ça ne fait absolument rien. Hein, ça annule. Et donc, si je fais ça... Ah oui, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que là, ça va faire encore vers le bas. Voilà, mais ça, je le voulais pas, donc ce qu'on va faire à petite patte, c'est que on va continuer gentiment, et dès que l'occasion se retrouve... Ah, mais peut-être... non. Non, non, toujours pas. Et là, si, voilà, on peut faire sur l'étage d'ici, et après, il faudrait le faire tomber. Et vous allez voir à petite patte que on peut aller, bien sûr,
vers le bas, mais si on veut grimper cette colonne de blocs ici avec ce bloc là, ça marche pas, hein, y a quand même qu'un seul étage, donc ça c'est un peu logique. Donc on va essayer de faire comme ça. Pour l'instant c'est une stratégie qui fonctionne, les rouges comme ça, et vous allez voir que s'il y a un rouge, pour l'instant il n'y en a pas, ben on va voir. Donc là on empile comme des blocs de post-it, et là vous voyez que quand on enchaîne différents coups, et ben ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux puisque on grappille, voilà, vous voyez que à gauche il y a la chaîne de combo. Donc là faut pas hésiter, hein. Dès qu'il y en a, on tape dedans. Et là il y a toujours pas, non c'est bien. Et là son petit ballon, vous l'avez dit, hein, c'est très très mignon. Et ce jeu là pour l'instant n'est sorti que au Japon. C'est pour ça qu'il va falloir attendre le prédécesseur pour avoir une version un petit peu plus compréhensible au niveau des menus. Mais ça va, hein. Donc après, pour comprendre ça, il vaut mieux faire le niveau. Donc là, on va rouler comme ça. Ouais, ça le fait. Il n'y a pas du rouge ici. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a le côté slide aussi, ce qu'on n'a pas parlé. Donc L1 et R1. Donc on sélectionne un bloc avec la touche cercle. Et si on fait L1 ou R1, alors là, il faut mieux se mettre peut-être. Alors peut-être là, pardon. Hein, il y a quand même une petite découverte là-dessus. On l'a testé pour savoir si ça fonctionnait. Mais oui, c'est... Alors c'est un jeu, c'est marrant, hein, le titre du jeu. Parce que il y a qu'une tour finalement, il n'y a pas de tour jumelle. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils se sont cassés la tête. Peut-être en versus, mais le versus il faut jouer à deux. Donc c'est un jeu qui peut se jouer à deux manettes et ça c'est cool. Alors là ça marche toujours pas. Mais là c'est vrai que le slide L1 et R1 ne fonctionne pas pour l'instant. Donc on peut soit faire rouler bouler comme ça. Ou soit faire comme la grue, c'est ça qu'ils appellent, hein, la grue, c'est-à-dire avec la touche croix, soulever son truc. Oh là là, j'en ai fait un peu trop. Voilà. Ah voilà, là le combo super puisque il y avait le bleu en bas et le rouge à droite. Je sais pas si vous l'avez vu, mes petites pattes, mais c'est pas bien grave. Alors là, on va essayer de le refaire. On fait ça. Ça c'est pas mal. Et si je fais ça, ça va matcher, voilà. Ça va correspondre avec la couleur jaune qui était à droite. On va essayer de le refaire ici, mes petites pattes. Est-ce que ça fonctionnerait? Je sais pas. Ah, 9. On est au 9ème étage. Vous voyez à droite la barre de progression. On y va cool, hein, puisque franchement, il faudrait faire une minute. Mais ça, c'est comme dans Doom. C'est-à-dire que ils mettent toujours des temps absolument ahurissants pour finir les niveaux. Mais quand tu connais pas, tu connais pas, quoi. C'est-à-dire, alors là, si... Ah oui, par contre, voilà. Si on déplace avec la touche croix, là, on voit qu'il y a vert sur notre bloc en dessous. Il y a le vert qui correspond avec l'autre vert, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il aurait fait rouler. Voilà, il faut absolument faire rouler son bloc, sinon ça ne marche pas. Donc son bloc, son cube, je sais pas trop comment l'indiquer, mais vous avez bien compris, petite patte. Donc là, on va voir, on va essayer de le grandir ici, puisqu'il y a beaucoup de grisés. Et vous avez vu que plus on progresse en hauteur, plus les faces sont grises. Et gris avec gris, ça n'amène absolument rien. Vous allez voir, une petite patte là. Ça ne fait rien du tout, donc il faut essayer de penser à ça également. C'est un jeu de réflexion, hein, qui est bien bien fichu. Donc là, on va le mettre ici, le vert en bas avec le vert en haut, blouk 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 blouk, voilà. Et ben on continue avec le bleu aussi, voilà, avec le bleu c'est parfait. Là il y a beaucoup de jaune, donc est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas si c'est bien utile ce que je viens de faire, mes petites pattes, c'est pas très grave. Il y a le vert en dessous, voilà, et vous allez voir, mes petites pattes, là ça fonctionne pas. Ce qui est logique, par contre, non, non, c'est dommage parce que là, il y avait la couleur verte en bas et la couleur rouge à gauche. Mais ça ne peut pas fonctionner parce qu'on l'a déposé comme une grue. Donc là, ça ne fonctionne pas. Là non plus. Ah, je suis bien embêté. Alors là, je vais faire ici. Voilà. On peut lâcher la touche cercle quand on veut. Donc là, hop, on est sûr. Et voilà, on reprend. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est un jeu bien sympathique, ma foi, qui n'est pas forcément très connu. Parce qu'il n'est pas sorti en Europe, hein, tout simplement, que ce soit celui-là ou la version Infinity, évidemment, puisque elle est sortie que en Amérique du Nord. Donc c'est bizarre, c'est bizarre. Bon après, évidemment, hein, peut-être qu'il y a eu une petite réticence avec le titre du jeu, hein, qui veut dire les grandes tours jumelles. D'ailleurs, mes petites pattes, ça c'est marrant. Est-ce que vous savez quelle est la plus grande tour jumelle il y a 20 ans? Ah oui, là, parce qu'on sait pas, on rigole, mais... Eh ben, c'est la même que 20 ans plus tard, c'est en Malaisie. La Petronas Twin Towers, il me semble. Alors, c'est comme comme les écuries. Oh, on a libéré un petit étage. Et vous voyez que il y a un joli dessin à droite. Alors, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si on peut... si on peut faire ça comme ça, je sais pas. Ah si, on peut. Oui, si, on peut. Alors, voilà, on va faire là. Et on va rouler ici. Ça me paraît bien. Et après... Ah non, j'aurais dû rouler. Mais ça marche avec à droite, voilà. Donc il faut y penser à tout ça. Oh, il y en a plein là.
Il y en a plein. Alors, on va essayer. Viens, il y en a plein. Alors, ça brûle un petit peu aux fesses. Je sais pas si vous l'avez vu, mes petites pattes. Donc, on va essayer de s'activer un petit peu le popotin. En roulant comme ça, voilà. Et toujours en avoir quelques-uns de front, parce que s'il y a trop de grisés, eh ben c'est fichu. C'est fichu parce que après on peut plus progresser. Donc il nous reste 7 étages, j'ai l'impression, une petite patte. Donc on est bien, on avance tranquillou. Évidemment, hein, les fans de ce jeu, les petites pattes doivent s'en tirer les cheveux, puisque là, on est quand même assez long. Mais c'est pas grave, hein. Là on est en mode découverte. Et on a le mode, non pas versus qu'on pourra pas faire, mais quand même... le mode puzzle, qui est très intéressant, puisque en fait ça va être des casse-têtes avec des mouvements, le nombre de mouvements imposés, etc. etc. Ça c'est pas mal, puisque on progresse gentiment, mollo. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de se creuser un petit peu la tête, et ça j'aime bien. Ça j'aime bien, et ça permet d'apprendre quelques mécanismes, parce que là, la touche L1 et R1 n'ont pas encore servi. Alors que je pense que c'est une composante nécessaire pour finir le jeu, hein, je pense. Alors, là, il y a du rouge également. Je sais pas si ça... Non, là, ça fonctionnera pas, puisque... Ah là, c'est une bêtise, il faut surtout pas laisser le gris vraiment tout en haut. Parce que là, ça risque de bloquer. Là, comme ici, là, ce bloc-là, ça risque de... Et là, je peux plus rien faire, parce qu'il y a le bloc qui gêne ici. Donc, je vais mettre là, je vais le débloquer ici. Comme ça, on va pouvoir le rouler. Voilà, là, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, et on a gagné 10 secondes de bonus, parce que si on va vite et on fait des combos, eh bien ça peut le faire, mes petites pattes, on peut comme ça gagner d'autres bonus. Ah mince, ah ouais, ah je suis bête, bon c'est pas grave, on va essayer de le faire par là, parce que, ouais, c'est ça, et là si je roule, ça ne fonctionne pas encore, par contre si je roule une autre fois... Voilà, c'est parfait, donc on n'est pas limité non plus, j'allais pas dire en temps parce que ça c'est faux, mais en mouvement. Et ça c'est quand même chouette parce que on peut se faire plaisir. Donc là c'est le jaune à droite et à gauche. Vous voyez hein, ça match. Plop, plop, plop. En fait ce qui est bien c'est que on a les triangles et va falloir composer un carré de même couleur. Donc là vous voyez petite patte là on est un peu bloqué. Je trouve, à force on va être bloqué. Donc il faut continuer à essayer de prendre ça. On est voilà, quatrième étage. On est bien, on est quand même bien. Hein. Donc on va voir avec le jaune. Ah oui mais je peux pas faire grand chose. Peut-être avec le rouge ici. Voilà. Et avec le vert, j'aurais bien aimé. Mais c'est pas possible pour l'instant. Peut-être... Ouais. On va essayer de le tourner indéfiniment jusqu'à, voilà, le rouge. Bloc, bloc, bloc. Et monter les deux. Et vous voyez, voilà. Là, il y a quand même beaucoup de cases grises. Donc comment faire? Bah là, je sais pas. Donc, on va monter. Ah, la musique se raréfie. Je sais pas pourquoi. Peut-être que là, ça chauffe un petit peu. Non, mais ça va. Non, ça va. Donc, on va essayer... de regagner tranquillement. Je l'avais dit hein, que c'était un jeu tranquillou. Et il est mignon comme tout. Je sais pas ce que vous en pensez, les petites pattes, mais je le trouve très très mignon. Et je pense que le premier... Alors qui veut dire Infinite, c'est vrai que là je clamais le nom du jeu qui était pas forcément très correct par rapport à son jeu, quoi. Enfin, par rapport... Là, on a une tour. Mais c'est vrai que grandir infiniment, faudrait voir les mécanismes du jeu du premier, mais c'est peut-être pas si logique non plus, puisque à un moment donné, on finit le niveau. Donc, je sais pas. Faudrait voir. Donc là, on enchaîne. C'est pas mal. Le jaune peut faire grandir ici. Voilà. On n'est pas pénalisé non plus. Et là, vous voyez que ça va être quand même un petit peu plus simple d'avoir la case rouge, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est super. Tac. Et donc, à deux, j'imagine que ça doit être très rigolo, parce que là, on prend notre temps. Bon, c'est bien. Mais quand on doit se battre façon Puyo Puyo ou Tetris... Mais voilà, ça fait partie de ces jeux de réflexion, encore une fois, qui sont pas les plus connus, mais qui sont très très bons. Et ça fait plaisir. Alors là, on va le mettre ici. Voilà. Et là, on va pouvoir réagrandir. Puisque après, ouais, on est bloqué, c'est ça le truc. Alors là, voilà, je le mets. La musique très sympa. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que on est sous l'eau. Alors je ne sais pas, j'ai pas tout compris au niveau du scénario, hein, j'avoue, mes petites pattes. Mais on a ce côté-là. Et les musiques sont vraiment très très sympas. Puisqu'il y avait de la samba tout à l'heure. Alors vous pouvez écouter bien sûr les musiques en mettant la galette tranquillement dans votre... Chenifi, comme vous voulez. Non mais avec la play, un coup de touche triangle et c'est bon. Alors là, je vais mettre ici, ça c'est pas mal. Et le bleu, on enchaîne. Attention, voilà, parce que sans bouger c'est pas mal. Ah et là je peux pas. Ah c'est pas grave puisque là, vous voyez on peut pas. Et le vert non plus. Par contre on peut l'agrandir à droite. Et voilà, et là on n'est plus bloqué. Voilà. Alors je sais pas à quoi correspond exactement le ballon de baudruche
qu'il a. Enfin, qu'il ou elle, hein, je sais pas, au niveau du personnage. Je sais pas du tout. Alors là, le vert, ça peut le faire ici. Voilà, on grandit. Il y a encore combien d'étages, là? Parce que c'est vrai que je veux pas qu'on soit coincé plus que ça. Voilà, nickel. On essaie de grandir de manière la plus logique qui soit. Donc là, c'est coincé. Là, c'est coincé aussi. Peut-être le rouge, si je me dépatouille, là et là. Mais ça va peut-être pas suffire. Hein. Voilà, puisque là, c'est grisé. Et du moment qu'il y a une seule colonne qui atteint l'objectif... Bah mes petites pattes c'est gagné en gros hein, donc c'est bien. Ah, on nous demande de nous dépêcher j'ai l'impression. Ouais la musique s'accélère. Donc ça c'est pas bon signe, c'est pas très grave. On va quand même se débrouiller. Voilà, donc là toujours pas. Voilà, c'est comme ça et comme ça. Donc n'hésitez pas à faire grandir les autres étages. Oh, c'est vrai que la musique s'est vachement accélérée là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tac. Et je le fais encore comme ça. Et donc, n'hésitez pas vraiment à vous entraîner. Là, on est en mode facile. Donc, entre guillemets, on risque, on va dire, pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut s'entraîner, il faut le prendre en main. Peut-être que les petites pattes qui connaissent le premier, Tall Infinite, ou Infinity, je sais plus, eh ben, c'est peut-être plus simple. Ah, chaîne 1, oui, c'était pas mal, ça. Ah, oh, oui, oui, ah, oui, c'est bon. Donc là, il nous manque plus que le bleu qu'on va aisément... Voilà, amarré ici. Le vert, ça marche également. Voilà. Et après, j'ai pas de... Sage Clear. Et ben voilà, les petites pattes. Et pas besoin, ça a monté un petit peu. 12 minutes, 22 secondes, 83 centièmes au lieu de 1 minute, évidemment. On a enchaîné 4 fois, ce qui est pas mal. Et on n'a pas un rang fabuleux. Donc là, on peut faire soit le stage 2, soit, évidemment, on va finir un petit peu la partie pour finir l'épisode... Non pas sur le mode versus, mais le mode puzzle. Oh, on reprend cette samba. J'appuie sur start, évidemment. Et on va se mettre, non pas en mode versus, puisqu'on n'a pas deux manettes. On l'aura assez dit, d'ailleurs. Ouais, petite patte. Et le puzzle, avec le mode normal, on va commencer. Et vous allez voir, la petite patte, que on a quand même beaucoup de niveaux. Du plus facile. Ou plus compliqué, le 100, on va pas le faire tout de suite, évidemment. Il y a combien d'étapes? 28. On va commencer cool. Et je vous conseille vraiment de commencer avec ce mode-là. C'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté. Deux étapes, vous voyez en bas à gauche, deux étapes. On n'a pas le droit de faire le coup de la grue, c'est-à-dire soulever le bloc avec la touche croix, comme ceci. Ah ben, on peut pas, c'est pour ça. Et donc, il va falloir en deux roulés et établir ce niveau-là. Donc là, vous voyez que tout est grisé. On a le temps. Ça, c'est très bien. Et vous voyez qu'il n'y a que le rouge. Donc on va essayer vraiment de le basculer. Voilà, comme je vous l'avais dit, hein, la méthode, c'est au moins d'avoir une couleur en haut du bloc. Et voilà, clear. Et quand il est fait, il est en surbrillance jaune. Hein, vous voyez, petite patte, le 001. Je ne sais pas quel agent secret c'est, mais en tout cas, force est de constater que ça a fonctionné. Donc, on y va, petit à petit. Et donc là, il y a deux étapes également. Et vous voyez ce bloc-là. Là, vous voyez qu'il y a... une petite animation de flèche, de rotation, et il ne peut se tourner que dans ce sens-là. Voilà, que sur la droite. Alors là, c'est un échec, puisque j'ai déjà écoulé mes deux étapes. D'ailleurs, est-ce que c'est marqué en rouge? Je ne sais pas, parce que là, clear, c'était marqué en jaune. Non, d'accord, ça reste en blanc pour dire que c'est à faire. Donc vous pouvez sauvegarder, évidemment, un petit pas. Donc là, je vois qu'il y a le rouge qui peut s'emboîter, ainsi que le vert. Donc ce qui est bien, c'est que le mode puzzle, comme ça, si vous n'avez pas compris... les principes de tout à l'heure, bah là, je pense que vous les comprenez facilement, puisque on vient de monter les étapes, mais là, regardez mes petites pattes, on est bloqué. Parce que là, on ne peut pas faire avec la touche croix pour le soulever, on ne peut rien faire. Donc, il va falloir réfléchir en amont sur ce bloc-là, et le dégager d'un coup, j'ai l'impression, hein, donc on va essayer ça. Voilà, ça monte, et puis là, bah, ça va se déverrouiller tranquillement. Voilà. Sa petite voix un peu modifiée, il faut le dire. Donc là, on a encore deux étapes. Il va falloir réfléchir. C'est pas mon fort, ça, hein, ça c'est sûr. Peut-être comme ça, si. Regardez les petites pattes, parce que là, tout est bloqué. Alors que si je fais ça à gauche, on peut mettre du jaune, à droite, on peut mettre du rouge, et normalement, ça doit s'emboîter parfaitement. Et ça permet aussi de faire des combos. Donc réfléchissez-y bien en avance. Si vraiment bah, vous avez un adversaire vraiment de grande taille face à vous. Ah mince! Voilà, j'ai refait encore la petite erreur. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je pense qu'il va falloir plutôt d'abord faire ça. Et cet accordéon, quand même, petite patte.
c'est quand même, je vous avais dit que la musique était sympa. Et là, c'est pas grave si le verre reste, puisque il va être complètement... il va disparaître avec la couleur et la correspondance de tout à l'heure, puisque quand on monte un étage, en général, on perd un triangle de couleur. Donc là, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Ah, mais on peut slide. Je sais pas si vous voyez, slide. Comment on s'en sert, alors, du coup? Ah, comme ça. Ah, mais là, ça marche pas du... ça marche pas du tout, là. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours avec L1 et R1, mais je crois que l'on peut sélectionner un bloc avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, si je fais R1, ça va pousser vers la droite. Voilà. Et donc, le rouge est désormais disponible. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc, on a vu tous les contrôles de ce jeu. On a vu tous les modes disponibles en solo, mes petites pattes. Donc, ça me fait plaisir. On va peut-être... se laisser là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, les petites pattes. Et c'est vrai que voilà, en fait, les 20 ans de ce jeu, Tall Twin Towers, ou Twins Tower, je sais plus, ça dépend de la jaquette, ou des versions, et ça fait plaisir. Alors là, ça casse encore un petit peu la tête, j'ai l'impression, il y a du bleu par là. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On va se laisser, voilà. Est-ce qu'on a fini la ligne? Ah, on va mettre quand même, voilà, on va se laisser sur ce 007, ça me paraît bien. Trois étapes. Eh bien, là, il y a... Ah, on peut pas faire... non, on peut pas faire comme ça. Donc, si je fais ça, et je fais ça pour déblayer un petit peu, hein. Ouais, et là, ça ne marche pas, puisque... Eh oui, il reste tout seul. Bon, mais c'est pas grave, mes petites pattes. On va se laisser là-dessus. Je vous dis matinée pour certains, je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis tchao!